Philippe Lachaud, des années en couple avec une comédienne, et ce n'est pas Élodie Fontan. S'il recoule depuis 2015 avec Élodie Fontan, avec laquelle il est devenu papa d'un petit garçon prénommé Raphaël né en décembre 2019. Philippe Lachaud a également vécu une belle histoire d'amour avec une autre actrice par le passé. Ensemble au casting du film Jour J sorti en 2017, l'acteur et Réhem Khorissier ont été amoureux et ont vécu une très belle relation restée depuis gravée dans leur mémoire. Au début de sa carrière, la star du film Babysitting avait rencontré la comédienne d'origine italo-tunisienne dans les studios de Fun TV dans les années 2000. Leur histoire aurait eu lieu en 2004. Très liés, leur séparation n'a d'ailleurs pas séparé leur chemin, bien au contraire. Évoquant ses ex Philippe Lachaud et Stéphane Rousseau, la comédienne confiait d'ailleurs à Gala, « Je reste une bonne camarade pour eux. » Et, sans vouloir donner de leçons à quiconque, il n'y a pas vraiment de raison de se détester quand on s'est aimé pendant plusieurs années. Ajoutant qu'elle les avait profondément aimés, elle confiait, « Je pense que je les aimerai toute ma vie. » Même si l'amour prend une forme différente. Guillaumet. Je pars du principe que, quand on a aimé une personne, que l'on a des souvenirs. Qu'il n'y a pas eu tromperie, se fâcher est violent. Alors c'est vrai que je reste très proche de Stéphane Rousseau. Le comédien, note de la rédaction, Philippe ou d'autres exemples « Je les aime profondément », expliquait-elle également en décembre 2017, auprès des journalistes de Closé. Désormais marié à Gilles Lemaire et maman d'un petit garçon né en juin 2019, Réhem Khorissier semble aussi très bien s'entendre avec la nouvelle chérie de son ex. Élodie Fontan. La preuve, elle continue de jouer dans les films de son ex Philippe Lachaud et avec sa nouvelle chérie notamment dans Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon, 2018, et 30 jours max, 2020. Interviewée par le magazine Variation, Élodie Fontan avait indiqué qu'elle prenait toujours plaisir à tourner avec les acteurs et actrices sélectionnés par son amoureux. Notamment Réhem Khorissier, dans chaque film, nous avons des invités, des gens que l'on apprécie. Nous sommes une bonne équipe et on aime bien s'entourer de personnes cool avec une bonne énergie, confiait-elle.